Allô, oui, bonjour. Bonjour. Votre prénom ? Marina. Alors, Marina, vous me donnez votre âge, s'il vous plaît, ou votre date de naissance ? 23-09-1968. Alors, 23-09-1968, ok. Vous nous appelez d'où, Marina ? De La Rochelle. D'accord, très bien. Alors, Marina, est-ce que vous auriez une question précise à me poser ? Oui, j'aurais voulu savoir quand est-ce que j'allais rencontrer la bonne personne pour avoir une vie de couple. D'accord, très bien. Vous êtes quand même encore marquée par une rupture dans ce que j'entends, Marina. On voit qu'il y a eu quelque chose de difficile. Oui, j'étais avec quelqu'un d'étranger et... comme j'étais pas sûre de ses sentiments, j'avais l'impression que c'était une union pour avoir des papiers, en fait. D'accord, ok. Bon, ce qu'on va faire, on va essayer de regarder un petit peu si au niveau de l'avenir, là, dans les mois à venir, il y a quelque chose qui s'annonce pour vous de nouveau. Donc, vous allez bien vous concentrer sur le côté sentimental, hein, et quand vous serez bien concentré, Marina, vous me direz stop. Oui. Ok. Stop. Alors, je vais vous demander un chiffre entre 1 et 10. 5. Encore un ? 7. Encore un ? 8. Et un dernier ? 3. Ok. Alors, bougez pas, je regarde. Donc, Marina, sur le plan sentimental. Marina. Alors, déjà, moi, ce que je vois là, si vous voulez, Marina... attendez-vous à revoir quelqu'un du passé. Dans un avenir très très proche, vous risquez de revoir quelqu'un du passé. En tout cas, il y a quelqu'un du passé qui va essayer de renouer quelque chose avec vous. Alors, je ne dis pas que ça va fonctionner, loin de là. Mais je vous le dis parce que je le vois. Maintenant, si je dois regarder plus loin, on va dire dans les mois à venir, plutôt d'ici 6 mois à peu près, là, il semblerait que vous rencontriez quelqu'un d'autre, quelqu'un de nouveau. Alors moi, je vois un homme châtain avec des yeux marron noisette miel. Quelqu'un apparemment que vous êtes censé rencontrer par le biais du travail. Et quelqu'un apparemment qui sort d'un divorce. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même assez marqué. Il semblerait aussi que ce soit quelqu'un de plus jeune que vous. Mais c'est... Toujours cette récurrence dans mes relations. C'est toujours des hommes plus jeunes qui sont attirés par moi. Oui, mais c'est pas très grave. C'est peut-être aussi que vous ne faites peut-être pas votre âge. Peut-être non, ça. C'est pas mon âge. Mais voilà, donc c'est peut-être pour ça. Et là, il semblerait, si vous voulez, qu'à partir du moment où cette rencontre intervienne, il semblerait que ce soit quand même quelque chose de sérieux, hein, qui s'annonce avec cette... Parce qu'on parle de 3-4 ans, alors ça fait 3-4 ans que vous êtes comme ça, là, dans le flou, là. Avec la personne qui est tunisienne, oui, un tunisien, mais en fait, là, je commence à le préparer à rompre, parce que j'ai beaucoup de doutes sur... Ah, mais pour moi, la rupture, de toute façon, elle est là, hein, on est dedans, hein. Parce que pour moi, vous êtes dans l'échec avec cette personne déjà depuis un certain temps. Hein. Oui, mais j'ai l'impression qu'il m'a toujours menti, en fait. Oui, mais il faut quand même que vous fassiez attention parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un... Bon, là, vous allez rompre, effectivement, puisqu'on voit une situation de rupture. Mais c'est quelqu'un qui va quand même tenter à plusieurs reprises de vous amadouer, de vous manipuler. Donc, vous voyez, ça peut être un peu compliqué à ce que vous arrêtiez la relation avec lui, en fait. Hein. Mais oui, mais c'est ce que je ressens et même je viens un peu peur de son comportement. C'est pour ça que je dis doucement parce que je ressens de la violence chez lui. Alors moi, je n'entends pas si vous voulez que vous soyez en danger dans ce sens-là. Mais pour moi, vous finissez par vous libérer de lui et je dirais que d'ici 5-6 mois, vous rencontrez la personne que je viens de vous décrire. D'accord. Voilà. En tout cas, Marina, si vous avez besoin de plus d'éléments pour approfondir, vous me rappelez sur la plateforme et je vous donnerai plus d'éléments sur ce que je viens de vous annoncer.
Excusez-moi, est-ce que je peux reprendre votre prénom ? Alors, mon prénom, c'est Stéphane, et donc mon identifiant, c'est le 0038. Mais je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie, Marina. Merci, et à très bientôt. Bon après-midi. Au revoir. Merci.